bienvenue chez Eutrapelia en ce beau dimanche de confinement. Bon, la situation étant ce qu'on sait qu'elle est, j'espère que tout le monde est au courant, sinon il y a un problème, donc nous sommes tous confinés chez nous, et bien nous allons essayer d'apporter notre modeste pierre à l'édifice, hein, en essayant de vous divertir, vous amuser, vous instruire, occuper vos enfants, ou vos grands-parents, ou le chien, ou le chat, ou les gerbilles, voilà. Et puis c'est aussi une manière pour nous d'avoir l'impression de ne pas être totalement, complètement inutile en ces temps difficiles pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, en fonction des idées, de poster régulièrement ou pas, je ne suis pas sûr, en fonction des idées, des petites vidéos très artisanales, vidéos mi-humoristiques, mi-pédagogiques et mi-historiques. Et justement, puisque nous avons fabriqué pour les besoins d'un nouveau spectacle, dont nous vous parlerons prochainement, de magnifiques, de sublimes, exceptionnels faux des organes. De fou, merveilleux. Des faux organes en laine, nous vous proposons de tester vos connaissances en anatomie. Ce programme pourrait s'appeler, avec Eutrapelia, Révise tes abats. Oui, c'est pas mal. Bien, ça. Oui, c'est magnifique. Bon. Vous êtes prêts? C'est parti. Premier organe, première devinette. Elle ne sert à rien dans le noir. C'est facile. C'est la première, on va en rajouter un. Ping ! La vessie. Oui, parce que il ne faut pas la prendre pour une lanterne. Et non. Deuxième devinette. Deuxième organe donc. Alors celui-ci, il est long. J'arrête parce que sinon on a encore pour 2 heures. Ping, ping. Bon, ils ont le temps, on va peut-être pas faire les pings. Allez hop. Bah, c'est facile, hein, c'est l'intestin. Oui, c'est long l'intestin. Hein, c'est un peu. Troisième devinette. Et troisième organe. On ne sait pas trop où elle est, mais elle y est. On ne sait pas trop à quoi elle sert, mais elle sert. Et elle est généralement d'humeur taciturne. Qui était pour les médecins de l'Antiquité et du Moyen-Âge le siège de la bile noire et de l'humeur mélancolique. Attention, nouvelle devinette. Si je vous dis corbeau. Ping, ping. Tu fais pas ping, assis. Ping, 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 ping. Je suis plus loin. Eh bien, qui dit corbeau dit corneille. Qui dit corneille dit le Cid. Qui dit aussi dit Rodrigue, et donc forcément, Rodrigue, as-tu du cœur? Voilà. Devinette suivante. Une jolie paire de boules bien utile pour séduire. Ping, 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 ping. Les yeux. Devinette suivante. Ils ne sont pas sans intérêt. Ping, 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 ping. Ben ce sont les reins. Et parce qu'on n'en a pas rien à foutre. Ouais. Ah oui, non, ça je valide pas du tout. Non, tu ne cautionnes pas. Moi, je trouve ça drôle, mais. Devinette suivante. Ils vont toujours par deux. Leur nom commence par un P. Et elles sont indispensables aux sportifs. Ping, 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 ping. Les poumons. Ils sont beaux, les poumons. Ah, ils sont magnifiques. Ouais, je suis très fier de ces poumons. C'est très, 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 très ressemblant. Organe suivant. 342 rouleaux de papier toilette
83 kg de pâte, 672 g de parmesan et une brosse à dents verte avec des poils bleus. Ting, 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 ting. Je sais plus où on en est, allez, on s'en fiche. C'est l'estomac. Oui, par contre, j'ai pas du tout compris le rapport avec ton histoire là, de parmesan et de papier toilette. En fait, je me suis trompé, c'est la liste des courses. Mais c'est trop tard, c'est fait. Dernière devinette. Personne ne lui dit qu'il les a. Ping, 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 ping. Les foies. Personne ne dit à Marty McFly qu'il a les foies. T'as les foies, McFly. C'est là qu'on se rappelle que je suis nul en imitation. Oui, tu leur as même pas montré en plus. Ah, j'ai pas montré, voilà. Le foie. Voilà, le foie. Expression dérivée de « avoir les foies blancs ». Expression 19e qui signifie « avoir la trouille » par opposition au foie rouge, bien plein de sang, qui signifie « avoir du courage ». Et comme je te rappelle, on veut que cette personne, il est ni rouge ni blanc. Il est, vert, gris. Mais c'est inquiétant d'ailleurs. On a fini. Bah oui, on a fini. Puisque nous avons parlé d'anatomie, nous dédions cette petite vidéo aux médecins, infirmières, aides-soignantes et autres personnels de l'hôpital qui sont au cœur de la vague et luttent sans relâche et sans compter leurs heures pour tenter de sauver des vies. Mention spéciale à mon frère, urgentiste à Nancy. T'es mon héros, bro. Merci aussi à tous les autres maillons de la chaîne, les ambulanciers, les pompiers, le SAMU, les pharmaciens, les chercheurs scientifiques qui cherchent des remèdes, les agents de sécurité, les techniciens, les administratifs, les agents d'entretien, etc. Voilà, j'espère que nos dirigeants politiques ont maintenant bien compris l'intérêt d'avoir un système de santé publique fort. Hein ? Vous avez compris ? Oui, vous avez compris. Oui, vous avez compris. Oui, vous avez compris. Oui. Et plus largement, et même si c'est consensuel en ce moment, voire gnangnang, on s'en fiche. Eh bien, un grand merci aussi, je lis mes notes sinon je vais en oublier, hein. Un grand merci aussi à toutes celles et tous ceux qui continuent de bosser pour qu'on puisse manger, se laver les dents, s'essuyer le fondement. Merci donc aux caissières de supermarché, aux logisticiens, aux livreurs, mais aussi aux électriciens, techniciens des télécoms, informaticiens, aux forces de l'ordre qui veillent au grain, que ça nous plaise ou pas. Et à toutes celles et tous ceux qui vont au travail, la boule au ventre, alors qu'ils préféreraient sûrement rester chez eux, être confinés, surtout quand leurs employeurs ne mettent pas toujours tout en œuvre pour assurer leur sécurité. On te voit, Amazon, on te voit. Et tandis que certains qui ont la chance, eux, d'être confinés, préfèrent sortir et faire la fête avec leurs potes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en même temps, honnêtement. Vous savez rien de mieux à faire en ce moment, hein, c'est pas... Ouais. Et à bientôt. Et ne soyez pas fous, restez chez vous.